Merci Seigneur. Nous sommes dans Tite, justement, ce soir. On vous a promis hier qu'on allait parler de la personne de Yeshua et révélée dans le livre de Tite. Et comme je vous l'ai dit, frère, de la part du Seigneur, à chaque fois que nous allons apporter un enseignement, ça va être sur la personne de Yeshua. Voilà. Donc, nous allons vraiment nous focaliser sur sa personne. Pourquoi? Justement parce que il y a un passage de Romains chapitre 1er qui justement confirme ce que je vous dis, c'est-à-dire des enseignements doivent être basés sur la personne de Christ. Nous sommes dans Romains chapitre 1er, verset 1er, du verset 1er au verset 4. Paul, esclave de Yeshua le Messie, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà, le message de Dieu. Un message qui est centré sur Dieu. Et non sur le matériel, non sur l'argent, mais sur Dieu. N'est-ce pas? Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne, n'est-ce pas, mon frère Gilbert? Cet évangile de Dieu concerne, n'est-ce pas, son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yeshua le Messie, notre Adonai. Et ça, c'est terrible, ça. Yeshua le Messie, notre Adonai. C'est-à-dire que le mot Seigneur ici, Kyrios en grec, qui veut dire Seigneur, mais en hébreu, c'est Adon, Adonai. Donc, Paul nous apprend ici que Yeshua n'est rien d'autre que notre Adonai. Or, Éphésiens chapitre 4 dit qu'il y a un seul Adonai. Il y a un seul Kyrios, Seigneur. Il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Et Paul nous apprend ici que l'évangile, mes amis, l'évangile, écoutez bien, le gospel, the gospel, l'évangile concerne le Fils de Dieu, Yeshua, le Messie. Donc, tout autre évangile qui n'est pas focalisé sur la personne de Yeshua, doit être, mes amis, systématiquement, catégoriquement rejeté. C'est-à-dire, on ne peut même pas tergiverser. On ne peut même pas tourner autour du pot. Je parle aux vrais enfants de Dieu ce soir qui sont là connectés et qui écoutent l'enseignement, qui sont prêts à tout pour défendre le royaume céleste. Qui sont prêts à tout pour défendre notre évangile, l'évangile biblique. Paul dit que l'évangile concerne le Fils de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que les chats donnent naissance aux chats, les chiens donnent naissance aux chiens, les canards donnent naissance aux canards, et Dieu a donné naissance à Dieu. Donc, si Yeshua est Fils de Dieu, donc, mes amis, c'est simple, il est Dieu. Alors, quelqu'un a laissé un commentaire pour dire, mais messieurs, tu blasphèmes parce que tu dis que Yeshua est la semence de Dieu, c'est-à-dire le sperme de Dieu, le spermatozoïde. Mais je dis, mais ce monsieur, je peux comprendre son comportement qui est dû à la méconnaissance des Saintes Écritures et notamment de la... des termes même qui sont des langues qui ont été utilisées pour écrire ce livre, notamment le grec, l'hébreu et l'araméen, parce que dans le grec ici, le mot postérité, n'est-ce pas, c'est sperma. Sperma qui donne en français sperme. Et ce monsieur peut prendre un dictionnaire français, je lui conseille le dictionnaire Larousse, n'est-ce pas? Et pour vérifier ce que c'est un sperme. Et il va comprendre rapidement que c'est rien d'autre que de la semence. Donc le spermatozoïde est dans le sperme. Donc dans le sperme, il y a près de 400 millions de spermatozoïdes. Voilà. Donc Yeshua est la semence du Père.
Il est la semence du Père, la semence divine. Donc, cette semence-là a donné naissance à Dieu. C'est pour cela, Hébreux 1 nous dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint, n'est-ce pas, d'une huile fraîche au-dessus de tes collègues. » Donc, c'est simple. La semence d'un canard donne les canards. La semence humaine donne les hommes, les humains. C'est normal. La semence de Dieu donne Dieu, bien sûr, Yeshua. Parce qu'il n'est pas issu, n'est-ce pas? Il n'a pas été conçu de manière légale, légale sur, je veux dire sur le plan humain, n'est-ce pas? De manière logique, c'est-à-dire par le concours d'un homme et d'une femme. Mais il a été conçu, n'est-ce pas, par la vertu du Saint-Esprit. Comme l'ange Gabriel l'avait si bien dit à Marie, que la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant que tu vas concevoir viendra de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appellera Saint. Et Yehoshua, c'est-à-dire Yahvé, précisément, n'est-ce pas, le nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer, donc YHWH, voilà. Donc Yahvé et salut, Yahvé, Yasha, Yahvé qui sauve, donc voilà, le Dieu de la Bible. Alors mes amis, c'est ça l'évangile. L'évangile doit être centré sur la personne de Yeshua, déclaré, donc Yeshua, issu de la postérité de David. Il y a plusieurs, mes amis, évangiles. Il y a plusieurs évangiles. Il y a l'évangile humain, cet évangile, mes amis, qui est basé sur l'homme. L'homme qui est devenu le centre de toute activité, n'est-ce pas, spirituelle, le centre de toute chose, l'homme de Dieu en l'occurrence. L'évangile biblique est basé sur la personne de Yeshua. Mais Yeshua, premièrement, on nous dit ici, né de la postérité de David, c'est-à-dire, c'est une, ici, l'accent est mis sur la filiation, n'est-ce pas, humaine, n'est-ce pas, une affiliation humaine et royale, parce que David est le plus grand roi juif, hein, c'est le plus grand roi des juifs. Donc, Yeshua est descendant physique de David, donc, il peut, n'est-ce pas, à cause de cette affiliation, se prétendre, n'est-ce pas, à la royauté, n'est-ce pas? Donc, à la royauté, au règne de son père. Donc, et ensuite, cet évangile concerne également Yeshua, mais non pas seulement en tant que fils ou semence de David, selon l'homme, n'est-ce pas, selon la chair, comme on l'a dit ici. Hein, il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Donc ici, nous avons une affiliation charnelle, une affiliation humaine de Yeshua. Donc l'évangile biblique doit être aussi basé sur Jésus-Christ homme, Jésus-Christ selon la chair. Donc en tant qu'homme, il a eu des ancêtres, bien sûr, homme. Et l'évangile concerne également Yeshua, déclaré fils de Dieu. Donc vous voyez ici, nous avons les deux natures de notre Seigneur Yehoshua. Nous avons les deux natures de notre Seigneur. La nature humaine, c'est-à-dire la nature qui est issue du roi David, et la nature divine, c'est-à-dire sa divinité. N'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'on le présente d'abord comme la postérité, la semence, d'accord, de David. David était un homme et non Dieu. Donc là, nous avons le côté, la nature humaine, hein, donc de Yeshua, le côté humain. Et la deuxième nature, on nous dit que cet évangile concerne aussi la nature divine de Yeshua, déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté, n'est-ce pas? Déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et Romains, chapitre 1er, versets 3 et 4, mes amis, nous parlent de la double nature de Yeshua. Et c'est ça l'évangile. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, écouter un enseignement qui est basé que sur Jésus-Christ et Dieu, tout en négligeant son humanité. Parce que mépriser, méconnaître l'humanité de Yeshua, mes amis, c'est méconnaître l'œuvre de la croix. Parce qu'il nous a sauvés, non en tant que Dieu, il nous a sauvés en tant qu'homme. Donc c'est pour cela qu'un chrétien qui n'a pas l'aspect humain de Yeshua, qui n'a pas connu, compris
la nature humaine de Yeshua, ce chrétien ne peut pas non plus connaître l'ampleur de l'œuvre de la croix. Ne peut pas connaître également, mes amis, tous les aspects de l'œuvre de la rédemption. Et je répète, Yeshua, notre maître, a vaincu Satan, non en tant que Dieu. Il a vaincu Satan en tant qu'homme, ayant été oint du Saint-Esprit. Il a vaincu le péché, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Parce que s'il avait vaincu Satan, le péché également, en tant que Dieu, nous autres, là, nous serions incapables, mes amis, de vaincre le péché et Satan. Voyez, parce que nous ne sommes pas Dieu. Ce serait un combat, n'est-ce pas, mes amis, injuste. Un combat injuste, Dieu contre Satan, c'est pas possible. Parce que il peut pas y avoir, mes amis, c'est pas possible. Dieu est au-dessus de tout. Il est tout-puissant. Donc il peut pas se rabaisser au niveau de Lucifer pour commencer à faire la boxe avec. C'est pas possible. Donc, et vous comprenez? Donc si Jésus avait vaincu Satan en tant que Dieu, s'il avait vaincu le péché en tant que Dieu, nous autres humains, nous serions toujours condamnés. N'est-ce pas? Sujet au péché, n'est-ce pas? À la possession démoniaque. Et c'est pour cela que l'évangile aussi doit être, mes amis, on doit aussi vous prêcher sur l'humanité de Yeshua. Voyez, frère, c'est très important ce que je vous dis ce soir. Voyez? Et si vous restez seulement sur l'humanité de Yeshua, vous n'allez pas non plus connaître, mes amis, et si vous ne connaissez pas la divinité de Yeshua, vous serez bancal, en gros. Donc, il faut les deux. Voyez? Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut comprendre, avoir des enseignements sur l'humanité de Yeshua et aussi des enseignements sur sa divinité. Et c'est cette double nature, mes amis, malheureusement, est mal comprise au point où beaucoup, beaucoup de chrétiens sont dans les polémiques. Il y a une partie qui s'est arrêtée. Des chrétiens, bien sûr, sur l'humanité de Yeshua, en disant que non, en fait, c'est une créature, c'est un homme. Une autre partie qui s'est arrêtée sur la divinité de Yeshua et qui disent non, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Et il y a une confusion. Parce que on a vu dans les quatre évangiles, nous voyons cette double nature, mes amis, s'interchanger, n'est-ce pas? S'opérer. Donc, je prends un exemple. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, Jésus, fatigué du voyage, n'est-ce pas, s'assit au bord hein, du puits de Jacob. Là, nous avons l'humanité de Yeshua. D'accord? Nous avons son humanité. Parce que Dieu ne se fatigue pas. Allons voir. Ésaïe chapitre 40. Oh, Dieu est bon. Dieu est magnifique. Dieu est grand. Alors nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Nous lisons à partir du verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous à son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne l'avez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint.
Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa puissante force. Il n'en est pas une seule qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Voyez mes amis ici, Dieu lui-même dit qu'il ne se fatigue point. Maintenant, ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, comme moi, je le dis et je le crois, ils se disent, mais si il est Dieu, ceux qui nous contredisent, hein, Pasteur Gilbert, ils disent, mon frère Chora, tu me dis que Jésus-Christ est Dieu. Mais dans Ésaïe 40, ici, on me dit que Dieu lui-même dit qu'il ne se fatigue point. Mais pourtant, dans Jean chapitre 4, comment ça se fait que Jésus s'est fatigué? Ah, mes amis, j'aime la contradiction. Hein? Allons voir dans Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bon, les gens me disent, frère Chora, il y en a qui vont dire, mais frère Chora, toi tu dis que Jésus est Dieu. Bon, il est dit dans Ésaïe 40 ici, le verset, n'est-ce pas? Et 28, Dieu lui-même dit qu'il ne se fatigue point. Mais comment ça se fait que Jésus qui est Dieu, s'est-il, n'est-ce pas, était-il fatigué ici? Bon, la confusion vient dans votre esprit à cause de la double nature de Yeshua. Là, dans Jean 4, nous avons ici Yeshua, homme. C'est normal qu'en tant qu'homme, il se soit, n'est-ce pas, qu'il ait été fatigué. C'est normal. Parce que ce Dieu, pour nous sauver, il n'a pas voulu nous sauver en tant que Dieu. Sinon, ce serait injuste. La Bible dit qu'il a pris la forme humaine. Et il a paru comme un vrai homme. Allons voir cela. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Au verset 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua, le Messie, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Bah oui, c'est ça le mystère de la divinité. C'est ça le mystère de la piété. C'est l'objet de mon prochain livre, La révélation du voile ou le mystère de la piété ou encore la révélation de Yeshua. Frère, nous sommes limités au niveau intellectuel. Il y a des choses que notre cerveau ne peut pas capter. Même si vous avez bac plus 3000, même si vous avez bac plus 20, il y a des choses qui nous échappent. D'accord? Déjà, comprendre la vitesse de la lumière. 300 km par seconde, ça nous échappe. Voyez frère, Terre, Lune en une seconde, ça nous échappe. Là, le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est la distance, n'est-ce pas, du Soleil par rapport à la Terre. Pourtant, la lumière du Soleil met 8 secondes pour nous parvenir. 8 secondes. Vous vous rendez compte, frère? 8 secondes. Les scientifiques européens ont envoyé dans l'espace une sonde depuis plus de 20 ans. Et c'est que maintenant que cette sonde est en train de sortir de notre, mes amis, de notre système solaire. Hein? Vous vous rendez compte un peu? Depuis plus de 30 ans même, je dirais. Et c'est que maintenant que cette sonde, mes amis, est en train de sortir de notre système solaire. Et sans parler même, mes amis, de la prochaine, de l'étoile la plus proche de nous, à part le Soleil. Et encore moins de notre galaxie.
Et la lumière du soleil qui voyage à 300 000 km/s, mais 100 milliards d'années-lumière. 100 milliards d'années-lumière pour traverser notre galaxie. Sachant que dans le 10% de l'univers observable, il n'y a que 4% observable. Que ce 4% de 10% de l'univers observable, mes amis, compte près de 200 milliards de galaxies. Bon, déjà, on a du mal à comprendre avec ces chiffres, à faire, mes amis, le calcul. Bon, maintenant, vous voulez connaître, comprendre Dieu. Oh, mes amis, hein? Laissez-moi parler ce soir au docteur, parler ce soir aux savants, aux grands érudits, aux grands philosophes, hein? Je vais parler ce soir aux grands docteurs, aux grands professeurs à l'université Paris 8, je ne sais pas, ou Paris 13. Faites-moi le calcul de l'univers, sur l'univers, les objets qui volent dans l'espace. Vous voyez, frère, c'est compliqué tout ça là. Et Dieu, maintenant, vous voulez le comprendre, le connaître avec votre cerveau. Mais vous allez dire n'importe quoi. Vous allez débiter des inepties. Vous allez seulement vous arrêter à son humanité et d'autres à sa divinité. Il va y avoir division. Et comme c'est le cas actuellement dans la chrétienté, même depuis la naissance de l'Église. Parce que le Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur, mes amis, a décidé de se mettre au niveau de l'humanité, de l'intelligence humaine pour nous sauver. C'est pour cela que Philippiens dit qu'il s'est fait homme, qu'il a paru comme un vrai homme. Ça veut dire quoi comme un vrai homme? Ça veut dire que Dieu qui est tout-puissant, pour nous sauver de la mort, du péché, de la condamnation à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ce Dieu a décidé de devenir homme. C'est-à-dire, il a accepté d'habiter un corps humain qui connaît les limitations physiques. Un corps qui peut pleurer, un corps qui peut avoir faim, un corps qui peut se fatiguer pour pouvoir mieux nous sauver. C'est ça l'amour de Dieu. Il a décidé d'être dans un corps qui peut être blessé, un corps qui peut être enfermé. Un corps qui peut boire, qui peut manger des aliments physiques pour mieux nous comprendre. Vous voyez, mes amis, le mystère de la piété, c'est ça, la divinité de Yeshua, sa grandeur, son amour. Donc c'est pour cela que Jésus, en tant que Dieu, ne peut pas se fatiguer, c'est normal. Mais comme il a voulu nous sauver, donc il fallait à tout prix qu'il connaisse nos souffrances, véritablement, qu'il les expérimente. Sauf que, en tant qu'homme, contrairement aux autres hommes, il n'a pas péché. Sinon, il ne serait pas un bon sauveur. Ah ben non. C'est pour cela que Philippiens dit qu'il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, il pouvait se fatiguer. Donc, du coup, ceux qui sont fatigués, il peut mieux les sauver. Vous comprenez le mystère de l'amour de Dieu? Et il a été tenté en toutes choses. Vous allez voir cela. C'est pour cela qu'il peut mieux sauver ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2. Nous lisons le verset 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par crainte, ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh, mes amis, mes amis, mes amis.
Regardez Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc la parole dit que Yeshua a été tenté en tant qu'homme. Il a été tenté en toutes choses. Voyez, frère, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour vous introduire à l'enseignement de ce soir, dans le contenu dans le livre, n'est-ce pas, qui se trouve dans le livre de Tite, en tant que Yeshua, en tant que sauveur. Voyez, frère, mais Dieu qui devait nous sauver, il fallait à tout prix qu'il devienne homme. Je prends un exemple. Avant l'incarnation de Yeshua, avant que ce Dieu ne puisse s'incarner, il était toujours sauveur. Parce qu'il le dit dans Ésaïe 42, verset 8. Il le dit clairement, n'est-ce pas, qu'il est le seul sauveur. Il le dit dans Ésaïe 43, 11. Je suis Yahvé et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Mais maintenant, pour sauver les hommes avant la grâce, avant la promulgation de la grâce, qu'est-ce que Dieu, comment Dieu s'organisait? Eh bien, il choisissait les hommes. Ces hommes étaient comme étaient ses représentants. À l'instar de Noé, Moïse, n'est-ce pas? Abraham. Donc, il avait suscité des prophètes comme Élie et Élisée. Ces hommes étaient, mes amis, des représentants du Sauveur. Donc, Dieu, pour sauver les hommes, il n'envoyait pas les anges. Il envoyait les hommes comme eux pour les sauver. Pour sauver les Hébreux de la puissance satanique de Pharaon, il n'a pas envoyé un ange. Il aurait pu envoyer Gabriel. Il aurait pu envoyer un ange, comme on a pu voir dans les Écritures. Il a envoyé un ange une fois. Il a détruit près de 185 000 Syriens, un seul ange. Vous voyez, donc Dieu pouvait envoyer des légions d'anges pour sauver les hommes, mais il n'a pas voulu le faire parce que ce serait injuste. C'est pour cela qu'il a envoyé les hommes sujets à des faiblesses. Comme il est dit également par rapport à Aaron, le souverain sacrificateur, établi parmi les hommes, sujet à des faiblesses pour mieux sauver ses compatriotes. Vous voyez, frère? Et c'est pour cela que quand les temps ont été accomplis, selon Galates 4:4, Dieu, n'est-ce pas, a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour mieux sauver les gens qui étaient sous la loi. C'est ça le mystère de la piété, la grandeur de l'amour de notre Dieu. Mes amis, vous comprenez? Donc, pour te sauver, Dieu ne t'a pas sauvé en tant qu'ange de l'Éternel, en tant que Dieu. Il t'a sauvé, il m'a sauvé en tant qu'homme. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune tentation, mon ami, aucune tentation, aucune épreuve auxquelles tu fais face, hein, aucune tentation auxquelles nous faisons tâche, mes amis, toutes les tentations auxquelles nous faisons face, ont été également le partage de Yeshua. Vous comprenez? Donc, si tu es tenté par les démons de la sirène des eaux, de la convoitise, Jésus a été attaqué par les mêmes démons. Ben oui. Si tu es attaqué par les pensées de l'homosexualité, les démons d'homosexualité ont aussi attaqué Jésus. Parce qu'il est dit qu'il a été tenté en toutes choses. Ben oui. Si tu es tenté par la cupidité, Yeshua est passé par là. Parce que Dieu s'est dit quoi? Pour sauver les hommes de l'homosexualité, de lesbianisme, de la cupidité, de la sorcellerie, il faut que je revête le même corps sujet à la faiblesse que les humains possèdent. Et c'est ça l'humanité de Yeshua. Un sauveur qui ne peut pas éprouver les mêmes souffrances que nous n'est pas un sauveur. Un sauveur qui se dit Dieu et qui n'a pas été tenté comme nous ne peut pas mieux nous sauver. S'il était resté au ciel là-bas, il ne serait pas un vrai sauveur, un bon sauveur. Parce qu'on aurait pu lui dire, oui, mais tu me demandes de ne pas tomber dans l'adultère. Mais toi, tu ne sais pas ce que c'est l'adultère parce que tu n'es pas attaqué par les démons d'adultère. Voyez, toi, tu me demandes de ne pas voler l'argent. Mais toi, dans ton ciel là-bas, tu n'as pas été attaqué par les démons de vol. Donc, tu ne sais pas ce que c'est. Toi, tu me demandes de ne pas être raciste. Mais toi, tu n'es pas combattu par les démons de racisme.
Alors, pour ne pas que nous ayons des leçons à lui donner, hein, et justifier ainsi nos péchés, Dieu, Yeshua, qui ne se fatigue pas, s'est dit, je vais prendre un corps que Satan attaque. Je vais prendre un corps que la sirène des eaux attaque. Je vais prendre un corps que les hommes peuvent frapper, clouer. Je vais prendre un corps, mes amis, qu'on peut cogner, qu'on peut, sur lequel on peut cracher. Je vais prendre ce corps-là. Et je veux être sur terre dans ce corps pendant 33 ans. Et je veux vaincre Satan. Je veux vaincre la sirène des eaux. Je veux vaincre le racisme, non en tant que Dieu, en tant qu'homme, avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh my God. C'est ça le message. Jesus. C'est pour cela, dans Luc chapitre 4, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé par l'Esprit dans le désert. Et c'est là qu'il est allé confronter Satan maintenant, en tant qu'homme. Pourquoi fils de Dieu? Pourquoi on dit fils de Dieu? Frère, c'est clair, c'est simple. Le premier fils de Dieu humain, mes amis, d'origine humaine, qui est sorti de la boue, c'était Adam. Il a raté la mission. Maintenant, tous ses descendants ne pouvaient pas vaincre le péché parce qu'ils étaient contaminés par le sang d'Adam. Et Dieu avait prévu son vrai fils, bien avant que le premier Adam ne soit créé. Et maintenant, son fils est venu, Dieu lui-même est venu en tant que fils. En fait, pour nous montrer l'image des vrais fils et filles que le Père, que Dieu veut. C'est-à-dire des fils et des filles vainqueurs du péché. Vainqueurs de Satan, de démons. Comme le premier Adam. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé Adam, Satan était déjà Satan. Pour votre information, Satan existait déjà. Il était déjà Satan. Parce qu'on le voit dans le jardin d'Éden en tant que Satan. Et Dieu dit à Adam et à Ève, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les animaux. Or, Satan était déjà un animal. Voyez? Donc, quand Satan est tombé, Dieu dit, je vais prendre la même poussière là, sur laquelle tu marches là. Je vais façonner un homme. Et il va te vaincre, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Voyez? C'est ça le mystère de la piété. Et le premier Adam a été vaincu malheureusement alors qu'il avait les moyens pour vaincre Satan. Et Dieu s'est dit, non mais t'inquiète pas Satan, je t'ai réservé la surprise. Ça veut dire que moi-même je veux devenir fils. Je veux descendre sur terre dans un corps humain. C'est pour cela que Yeshua ne pouvait pas dire publiquement comme ça, je suis Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Voyez? C'est ça mes amis. C'est pour cela que beaucoup disent, mais oui, mais pourquoi il n'a pas dit qu'il est Dieu clairement? Frère, il a dit, mais en code, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez? Et on a pris des pierres pour le lapider. Donc, cette double nature peut, si on n'est pas bien enseigné, porter à confusion. Comment ça se fait qu'il est Dieu, mais en même temps il se fatigue? Mais oui, mais là c'est parce qu'il est homme. Mais oui, il y en a qui vont dire, mais Dieu, mais c'est pas normal que... Frère, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il... Mais il est Dieu, frère. Hein? Il est Dieu. Même si nous, à notre niveau, nous pouvons faire ce que nous voulons à peu près. C'est-à-dire, si nous voulons manger du manioc, on va manger du manioc. Si nous voulons, frère, mes amis, aller visiter les pêcheurs, on peut le faire. Si on veut se coucher avant, on peut le faire. Si on ne veut pas dormir toute une nuit, on peut le faire. Donc maintenant, Dieu qui est tout puissant, n'est-il pas capable d'être à la fois Dieu et homme? Frère, ben, bien sûr qu'il le peut. Et c'est pour cela, frère, il est dit que pour être un bon souverain sacrificateur, capable de nous sauver, il a pris l'apparence humaine. Et c'est pour cela qu'en tant qu'homme, Jésus pouvait se fatiguer. Jésus pouvait, n'est-ce pas, être arrêté. Jésus pouvait dire, mes amis... pouvait envoyer les apôtres pour aller là où lui-même devait y aller, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. En tant qu'homme, il s'est limité, comme la Bible dit dans Philippiens là-bas, il s'est dépouillé lui-même. Voyez? Il s'est dépouillé pour paraître comme un esclave, un serviteur, celui qui obéit. Et ça, c'est fort. Tout ça, parce qu'il t'aime. Et c'est pour cela, Paul dit dans Romains 1 que l'évangile concerne Yeshua,
premièrement, homme issu de la postérité de David selon la chair. Donc Jésus-Christ est homme. Et il concerne également Yeshua, fils de Dieu. Là, c'est la divinité, n'est-ce pas? Donc, selon l'esprit de vérité, par sa résurrection d'entre les morts. Waouh! Et ça, c'est magnifique. Donc, si on ne vous parle que de Jésus-Christ et Dieu, là, la rédemption n'aura plus aucun effet sur vous. Si on ne vous parle que de Jésus-Christ homme, eh bien là, frère, la résurrection n'aura aucun effet sur vous. Voyez, frère? Et ça, c'est magnifique. Parce que, frère, Dieu seul peut vaincre la mort au nom de Yeshua. Maintenant, allons voir dans Tite, chapitre 1er. J'espère que vous comprenez l'enseignement. Tite, chapitre 1er. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Ici, Paul nous apprend que Dieu est notre Sauveur. Nous sommes d'accord, c'est écrit. Dieu est notre Sauveur. D'accord? Ok, on continue la lecture. À Tite, mon enfant, légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Waouh! L'apôtre Paul nous apprend ici que Jésus-Christ, hein, est notre Sauveur. Waouh! Alors, vous voyez, ici, nous avons la double nature de Jésus-Christ. On dit, Paul dit, dans le même chapitre, Jésus, que Dieu est notre Sauveur. Et en même temps, il dit, Jésus-Christ est aussi notre Sauveur. Or, dans Ésaïe 43, 11, Dieu disait, je suis Yahvé. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Oh, mes amis. Alors, maintenant, quand on lit ce passage-là, on peut se dire, mais attends, mais Paul, est-ce que Paul avait-il un problème d'Alzheimer? Est-ce qu'il avait des troubles mentaux? Hein? Parce que c'est comme s'il semble se contredire. Mais non, frère, c'est ça la double nature. Voyez? Mais attendez, humainement parlant, honnêtement, monsieur, les savants, messieurs les sophistes, et madame les professeurs, qui ont bac, vous qui avez bac plus 40, ok, nous bénissons Dieu pour votre grâce. Dites-moi un peu, humainement parlant, pouvez-vous mettre dans une même pièce un agneau bien frais, bien gras, avec un lion bien costaud, bien fort, affamé? Est-ce que vous pouvez honnêtement, avec votre intelligence, laisser dans une même pièce ces deux animaux? Croyez-vous qu'il va y avoir une cohabitation amicale? Je pense et je sais, je crois plutôt qu'il y en a un qui va se retrouver en moins d'une journée dans le ventre de l'autre. Donc, vous voyez, ces deux animaux représentent deux natures. Il y en a un qui représente la douceur et un autre qui représente la force. Et paradoxalement, ces deux natures constituent, n'est-ce pas, donc représentent en fait la personne de Yeshua. Il est agneau et il est lion. Mais pourquoi vous ne doutez pas de cela? Mais maintenant, quand on dit qu'il est Dieu et homme, vous commencez à créer des polémiques. Un problème. C'est pour cela que vous devez être bien enseigné sur la divinité de Yeshua et sur son humanité. Ben oui, frère, ben oui, ben oui. On continue la lecture dans Tite. Parce que on peut continuer? D'accord, on n'a pas le choix. Parce que comme on aime le Seigneur et la parole, nous sommes dans Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle, hein, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, ça c'est 13 et 14 là. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Waouh! En attendant la manifestation, hein, en attendant la bienheureuse espérance, donc l'enlèvement de l'Église, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Waouh! Frère, la parole ici est terrible. Vous voyez, rien que le livre de Tite, rien que dans ce livre, nous avons la double nature de Yeshua. L'homme, Yeshua en tant qu'homme, qui est venu pour sauver les hommes, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que, assurément, ce n'est pas à des anges que Yeshua était venu en aide. Car les anges qui sont avec le Seigneur là-haut n'ont pas péché, n'ont jamais péché. Donc, ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. Mais par contre, il est venu n'est-ce pas, à rescousse à la postérité d'Abraham, qui était une postérité, mes amis, corrompue par le péché d'Adam et Ève. Voyez? Donc Dieu nous a sauvés en tant qu'homme et dernier Adam. C'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons le voir, mes amis. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Mes amis. La parole est claire. Voyez, frère. Ça veut dire qu'il y a eu deux hommes. Le premier est terrestre. Il vient de la terre. Il vient de l'argile. Et le dernier est céleste. Ça veut dire qu'il était au ciel. Ben oui. Il était au ciel. Et il est descendu comme homme. Et on dit que le dernier Adam, Adam ici veut dire humain. Humain. Alors il y en a qui vont dire, mais oui, mais frère Chora, mais Dieu a dit dans Osée là-bas, hein, qu'il n'est pas homme. Alors comment toi tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, frère. Osée 11, 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Alors, on va dire, mais frère Chora, Dieu lui-même dit ici qu'il n'est pas homme. Hein? Alors, comment toi tu peux dire que Dieu est homme? Mais frère, vous n'avez pas compris la double nature de Yeshua. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il est Dieu et il est homme. C'est ça, Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il. Dans Psaume 115, verset 3, il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est écrit, tout ce qu'il veut. C'est écrit dans la parole. Ne raisonnez pas avec la Bible. Alors, le mot homme ici, pasteur Gilbert, en hébreu, c'est Ish. D'accord? Ish. Et la femme, c'est Isha. D'accord? Ish et Isha. Et bizarrement, on utilise aussi Ish pour Dieu lui-même. Dans Nombre, et chapitre 23, verset 19 à 23, là-bas, Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. En fait, quand Dieu ici dit qu'il n'est pas un homme, il fait allusion à la nature pécheresse humaine, à la nature humaine qui est corrompue. Et c'est dans ce sens-là que Dieu dit qu'il n'est pas homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas pécheur. Ben oui. Ben oui.
Mais le problème est que dans le livre de Exode, chapitre 15, vous allez voir que Dieu dit qu'il est homme ici lui-même. Là, Exode, chapitre 15, verset 3, dans la version de Martin, la version, comment dire, la version Darby, voilà. L'Éternel est un homme de guerre, son nom est l'Éternel. Dans votre version, dans la version de Louis Segond, on a dit l'Éternel est un vaillant guerrier. En fait, le mot vaillant ici, en hébreu, signifie aussi homme. Et ça, c'est terrible, frère. C'est terrible. Donc, vous voyez que parfois, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des contradictions dans les Écritures. Comment Dieu peut-il dire dans Osée 11, 9 qu'il n'est pas un homme, alors qu'ici, dans Exode 15, 3, il a dit clairement qu'il est un homme? Ben oui, frère, il faut toujours voir le contexte à chaque fois. Voyez, il y a toujours un contexte. Alors, Dieu n'est pas homme dans le sens où il n'est pas pécheur. Il n'a jamais péché. Mais Dieu est un homme en même temps, un homme de guerre, un homme dans le sens où il est devenu homme, il s'est fait homme pour sauver l'humanité. Et c'est pour cela, frère, Yeshua est, par cela, le véritable sauveur, le sauveur par excellence. Et c'est pour cela qu'il peut dire que personne ne peut être sauvé sans passer par lui. Parce que tous les autres dieux ne se sont pas faits hommes. Ce sont des démons, en fait. Les autres religions n'ont pas ce message puissant. Dans les autres religions, dans leurs livres saints, on ne parle pas d'un Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'humanité, contrairement au Dieu de la Bible. Et c'est pour cela que nous devons accepter les Écritures telles que c'est écrit, telles que les prophètes nous ont apporté le message spirituel. C'est-à-dire, ils nous présentent un Dieu, aussi bien Dieu Tout-Puissant et homme, n'est-ce pas? Et sans péché, bien sûr, homme qui pouvait avoir de la fatigue. Le micro. Si nous lisons ce verset de Jean 14, 7, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ouais. C'est la double personnalité en fait. Lui et le Père, ils sont un. Il dit, si vous le connaissiez, vous connaissez aussi le Père. Donc, dès maintenant, vous l'avez vu. En fait, Dieu, le Père est au ciel, mais il dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Donc, nous avons vu le Père. Le deux natures se manifestaient là. Alors, c'est pour cela qu'il y en a un qui dit justement, mais si Jésus est Dieu, quand il était sur terre, pourquoi priait-il encore Dieu là-haut? Mais c'est normal parce qu'il fait ce qu'il veut. Il s'est fait homme et il est resté Dieu là-haut. C'est un mystère. Bon, comment, il y en a qui disent, mais comment il peut prier encore Dieu lui-même? Frère, nous sommes dans Amen. Exode 34. Alléluia. Pasteur Gilbert. Tu peux nous lire cela, s'il te plaît. 34. Verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu parle à lui-même. Qui conserve mon amour jusqu'à mes générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocence, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Voyez ici, on dit que
Dieu est en train de crier. Dieu, Dieu. Yahvé, Yahvé. Hein? C'est quand même fort, hein? Yahvé, Yahvé. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu lui-même parle à Dieu, à la troisième personne. Du singulier. Il conserve, parce qu'on dit qui conserve. Donc, il conserve, c'est il. Ça, c'est Dieu qui parle à la troisième personne, mes amis, du singulier. Alors vous allez dire quoi? Hein? Oh, Jésus-Christ, s'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il priait le Père? Mais ici, on voit Dieu lui-même aussi, frère. Le Père lui-même priait, lui parlait au Père, à la troisième personne du singulier. Mais vous allez comprendre ça comment? Si un homme le fait, on l'amène aussitôt voir un psychiatre. On va l'enfermer dans un asile, on va lui faire des piqûres, il va devenir un légume, n'est-ce pas? D'abord, on l'amène auprès d'un psychologue, le psychologue va dire ce cas et dépasse mes compétences, il faut l'envoyer chez un ami qui est psychiatre, et le psychiatre dira non, c'est difficile parce qu'il faut lui faire des piqûres, parce qu'on ne comprend pas, parce que la personne parle à la troisième personne du singulier, il y a un problème dans sa tête. Non, frère, la révélation. Et la Bible dit, Moïse n'a pas dit, mais ce Dieu est fou. Moïse nous dit la parole, aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Oh, mes amis, la Bible là, que j'ai entre mes mains là, est trop forte, trop forte. Elle est remplie des choses, quand vous le lisez là, vous pouvez sautiller comme une espèce d'antilope, mes amis, dans votre chambre, parce qu'il y a tellement, c'est pour cela que même si vous avez, je ne sais pas, même si vous maîtrisez la langue française, ce n'est pas pour autant que vous allez comprendre les Écritures, hein, qui sont traduites dans votre langue maternelle, notamment le français. Il faut le Saint-Esprit pour décortiquer les Écritures. Vous ne pouvez pas comprendre le message biblique en allant dans une école théologique, en portant une soutane, en ayant le collet clérical. Jamais. Il faut la révélation de Yeshua. C'est pour cela, frère Paul dit que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je partis pour l'Arabie. Il dit qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans les écoles rabbiniques, il y en avait deux à cette époque, l'école de Shammai et l'école d'Hillel. Il n'est pas parti voir ces grands docteurs de la loi pour comprendre le mystère de la révélation de Yeshua. Mais il est allé dans un désert pour approfondir cette révélation. Vous avez besoin de la révélation de Yeshua pour connaître sa personne. Dieu se révèle. Vous ne pouvez pas aller le découvrir ici et là. Il doit se révéler à vous dans votre intimité. Voilà. Il doit se révéler en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et en tant qu'homme, la Bible nous dit, frère, pasteur Gilbert, qu'au ciel, là-bas, il y a les quatre êtres vivants. Ces quatre êtres vivants, d'après Apocalypse et, n'est-ce pas, Ézéchiel 1, ont chacun quatre faces. La face de lion, ça c'est l'évangile de Matthieu, Yeshua le roi. Matthieu l'a présenté aux Juifs comme le roi d'Israël. Il y a la face d'un bœuf, là c'est l'évangile de Marc qui nous présente Yeshua comme le serviteur. Il y a la face, mes amis, de l'homme, ça c'est l'humanité. Donc il y a l'humanité dans ce Dieu. Pas une humanité charnelle, comment dire, dans le sens où il y a le péché, non. Ça, c'est l'évangile de Luc. C'est le seul évangile où il est question de plus de 132 fois. Il a été fait mention de plus de 132 fois du nom de Fils de l'homme. Hein, le Fils de l'homme est utilisé plus de 132 fois dans l'évangile de Luc pour mettre l'accent sur l'humanité de Yeshua, qu'il était descendu pour sauver les humains. Et la face de l'aigle, ça c'est l'évangile de Jean, c'est la divinité. L'aigle est l'animal qui va plus haut que tous les autres animaux. Il vole haut, dans les hauteurs, selon Job 33. Vous voyez frère, il va très haut, selon Job 40. Voilà, ça c'est l'évangile de Jean, le Fils de Dieu, la divinité. Vous voyez, il vient d'en haut, il vient d'en haut. Vous voyez, frère, Yeshua. Et c'est pour cela qu'il faut accepter les Écritures telles que il est 100% Dieu et 100% homme pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi, frère, comme il a vaincu, il nous a donné le même esprit afin que nous dominions sur le péché, sur la mort, sur la nature humaine, mes amis, qui est latente
et qui est là en chacun de nous, latente en chacun de nous, et qui est prédisposé, disposé à nous conduire à toutes sortes de dépravations. Voilà. Donc, mes amis, Yeshua est vraiment le seul sauveur capable de vous libérer de toutes sortes de liens qui vous empêchent, n'est-ce pas, d'avancer. C'est pour cela que la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Yeshua, le nom du Seigneur, sera sauvé. Or, le nom du Seigneur, c'est Yeshua. Voyez. Et c'est pour cela que quand vous avez des enseignements sur la personne de Yeshua, quand vous comprenez qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ, vous n'allez plus courir après les hommes. Vous n'allez plus accepter que des prophétesses vous imposent les mains. Vous n'allez plus accepter de faire la queue devant des pasteurs pour recevoir, n'est-ce pas, une parole prophétique. Vous n'allez plus faire de ces hommes des dieux, des divinités, des idoles. Au contraire, chacun de vous va développer une relation avec le Seigneur. Vous n'allez plus croire ces enseignements qui vous font, n'est-ce pas, qui vous transforment en des esclaves, des hommes. Au contraire, vous allez dire à ces hommes et ces femmes, soi-disant de Dieu, que nous sommes affranchis par le sang de Yeshua, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Vous voyez, frère, plus Dieu m'enseigne ces choses-là, plus je deviens dépendant de sa personne et en dépendant par rapport aux hommes. C'est-à-dire que je comprends de plus en plus, frère, que je n'ai pas besoin qu'un homme m'impose les mains pour que je sois sauvé. Je n'ai pas besoin qu'un prophète quitte les États-Unis pour venir me sauver. Au contraire, de là où je suis, je peux invoquer le nom de mon Dieu, Yeshua, et il va me libérer, frère. C'est ça l'évangile. C'est pour cela que l'église de Yeshua doit être préparée à l'enlèvement avec ce type de message où Christ est révélé dans son humanité et dans sa divinité pour que les chrétiens, mes amis, soient dépendants, délivrés des gourous, délivrés des voleurs, délivrés de charlatans, des marchands de miracles et de pouvoir suivre véritablement le Sauveur. C'est ça le message, Pasteur Gilbert. Et c'est ce que Paul a voulu faire croire aux chrétiens de Rome. Tu sais pourquoi Paul avait-il écrit cela? Parce qu'à Rome, les Césars étaient considérés comme des sauveurs. Les Césars étaient considérés comme les seigneurs. Voilà pourquoi Paul leur dit qu'il n'a point honte de l'évangile de Christ. Qu'il a dit que l'évangile ne concernait pas César. L'évangile ne concernait pas les sauveurs humains. L'évangile qui sauve concerne la personne de Yeshua en tant que descendant physique et charnel de David, n'est-ce pas, et fils de Dieu. Voyez, donc Paul présente Dieu et David. David, le côté royal, le roi d'Israël, le côté guerrier. Voyez, frères et sœurs, alléluia. David, l'homme, selon le cœur du Seigneur, alléluia, l'adorateur. Ça, c'est l'humanité, l'humanité. David représente à la fois, mes amis, les Juifs et l'humanité, les hommes qui devaient être sauvés par ce Sauveur. Et Dieu, mes amis, c'est maintenant celui qui est au-dessus de tout. Waouh! Et ça, c'est terrible, pasteur. Et quand dans Colossiens 2,9, il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu dans ce corps, en tant qu'humain en fait, Jésus habite toute la gloire de Dieu. Donc il est Dieu. Bien sûr. Et de nature, donne-moi en fait le nom d'un homme qui peut contenir Dieu. Il n'y a pas. Ça n'existe même pas. Il n'y a que Yoshua. Ouais. Donne-moi le nom d'un homme dont le corps peut contenir Dieu. Non, ça n'existe pas. Mes amis, il faut arrêter. Amen. Gloire à Dieu. Il faut arrêter. Amen. Arrêtez-nous cet évangile humain où on présente les hommes de Dieu. On va vous présenter l'homme du siècle. On va vous présenter le grand prédicateur. On commence même à les surnommer, à leur donner des noms. Oh, le chandelier. Oh, l'aigle. Oh, le lion. Frère, tout ça, ce sont des antichrists. Parler de l'homme? Non. On va inviter l'homme du siècle. Et les femmes africaines, souvent, on le voit, là, elles sont là en train de faire le oulololololo avec leur pagne, tout ça, avec du parfum pour parfumer l'homme de Dieu. Frère, vous allez en enfer. L'évangile concerne Yeshua. Amen. La personne de Yeshua. Et c'est pour cela que nous vous avons dit qu'on n'a pas d'autre message. Hier, on parlait de la dîme, tout ça. Là. C'était pour balayer, pour nettoyer. Maintenant, là, comme Yeshua est à la porte, il faut qu'il soit révélé. Il faut qu'il soit révélé. Il faut qu'il soit révélé. Et Tite 3, pasteur Gilbert, tu peux nous le lire, s'il te plaît?
4. Tite 3, 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et notre amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Il a rendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Attends, tu vois ici? Il a répandu sur nous avec abondance par qui? Par Jésus-Christ. Qui? Attends. Là aussi, on a la double nature. Hein? Amen. Regarde, le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu qui? Notre Sauveur. Waouh! Dieu, notre Sauveur. Nous sommes dans le verset 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, mes amis. Vous voulez quoi encore? Hein? Là, je suis excité. Là. Amen. Alléluia. Là, il faut m'arrêter. Amen. Je suis excité, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, je deviens fou. Amen. Amen. Là, je deviens fou. Alors, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui lit ça, elle peut être confuse. Mais attends, Dieu est notre Sauveur et Jésus-Christ est notre Sauveur. Il y a un problème là. Mais si ce n'est pas la même personne de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que Paul avait un problème. Mais comme Paul n'avait pas de problème, alléluia, il était rempli du Saint-Esprit, il a parlé de la vérité. Amen. Pasteur Gilbert, alléluia, le livre de Tite présente la double nature de Yeshua. Tite 1, on le voit, on l'a vu. Tite 2, on l'a vu. Et Tite 3, le dernier chapitre, on le voit également. Mais mes amis, vous voulez dire quoi encore? Hein? Paul a utilisé le pronom personnel. Hein? Notre. Dieu, notre Sauveur. Yeshua le Messie, notre Sauveur. Et il dit qu'il n'y a pas d'autre Sauveur dans Ésaïe 43. Attention, on va relire encore ce passage, Pasteur Gilbert. Allons-y. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, on s'arrête là. Verset 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bon. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de Sauveur. Oh, c'est fini. C'est fini. On va dire, mais frère Chora, ok, c'est écrit. Mais pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit que le Père est plus grand que lui? Mais la parole est claire, Philippiens 2 nous donne la réponse. Il a pris la forme d'un serviteur pour nous montrer que les hommes doivent être, les hommes sont plus petits que Dieu. Parce qu'il nous a montré l'exemple parfait. C'est tout. C'est tout. Mais bon, ok, frère Chora, mais pourquoi quand les apôtres lui demandent dans Luc 11 de leur apprendre à prier, pourquoi n'a-t-il pas dit « priez-moi » ? Pourquoi a-t-il dit « voici donc comment vous devez prier notre Père » ? Mais c'est simple, pour nous montrer que les hommes, les fils doivent prier le Père, prier Dieu. Ben oui, il a pris la forme de l'homme humain, de fils, pour montrer à tous ceux qui doivent être des fils comment fonctionner. Oh, c'est tellement simple. Amen, amen. Mais il faut le Saint-Esprit, pasteur Gilbert, pour le comprendre. Alléluia. Bah oui, frère, vous voulez quoi encore? Vous voulez philosopher comment là? Bah oui, là, ce soir-là, les gens qui ne croient pas à la divinité de Yeshua, le Saint-Esprit avec l'épée de la parole, vous coupe les têtes. Bah oui. Et c'est pour cela que nous voulons prendre du recul, pour que lui seul soit vu. C'est pour cela, frère, le 21 décembre, nous sommes dans cette veillée-là, frère. Nous voulons mettre en place cette veillée pour des actions de grâce, pour que le nom de Yeshua, le vrai Dieu et le vrai Sauveur, soit révélé. Je lui dis, mais frère Chora, mais oui, mais quand même, il a pris. Mais la Bible dit quoi dans Ésaïe là-bas, là, frère? Ésaïe. Chapitre 9, verset 5. Pasteur Gilbert, je te laisse le soin de lire cela. Pour ne pas que les frères et sœurs disent que c'est la Bible du frère Chora qui est comme ça. 9.5.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oh. C'est compliqué. Comment peut-on appeler un enfant? Un enfant. Un enfant. Ici, le mot enfant là veut dire, hein, c'est de celui qui n'est pas en âge de procréer. Amen. D'accord? Dans l'hébreu. Enfant là, c'est vraiment, il n'est pas en âge de procréer. Alors, comment maintenant un enfant qui n'est pas en âge de procréer peut-il être appelé père? Hmm? On l'appellera Père éternel. Admirable conseiller. Dieu comment? Dieu puissant. Puissant. Yahvé Gibor. Hein? Ah, au Gibor. Maintenant, vous allez dire quoi là. Hmm? Hmm? Ils peuvent dire que le prophète avait un problème. Esaïe, mais qu'Esaïe le ressuscite Esaïe pour pouvoir. Il y a un problème là. Esaïe, je crois qu'il va les massacrer avec la parole. Frère, arrêtons. Il faut que le monde connaisse le nom du véritable Dieu. Il faut que les chrétiens connaissent leur véritable pasteur. Voyez, je vous ai dit la semaine dernière que c'est fini. Plus d'autres messages que sur Yeshua. On a parlé hier, la semaine dernière, de sa divinité. Aujourd'hui, nous entamons sur son humanité. D'accord? Son humanité. Et c'est terrible, hein, frère. Hein? Vous allez voir, on va revenir encore sur sa divinité. On va continuer, on va nager dedans. Après, on va toucher l'aspect. Jésus en tant que pasteur, c'est qui? Vous allez voir que beaucoup de pasteurs sont devenus des dieux. Ils ont pris la place de Jésus, ils sont devenus des antichrists. Parce que quand il faut se marier, il faut aller voir un pasteur. C'est pas biblique. Quand il faut se marier pour ouvrir une entreprise, il faut aller voir un pasteur. C'est pas biblique. Vous allez voir. On va plus consulter les hommes que Dieu pour nos projets. Donc maintenant, on va vous présenter Jésus-Christ en tant que pasteur. Et ensuite, on va vous le présenter en tant qu'apôtre. Et on va vous le présenter en tant que prophète. Tout ça, là, on va y passer. En tant que mari, en tant que pain, en tant que l'eau, en tant que paix. On va tout développer, frère. En tant que marteau, on va tout développer, tout. En tant que chaussure, tout ça, là, le zèle, tout, on va. Parce qu'il est dit dans Isaïe, le zèle de ta maison me dévore. C'est lui-même. On va voir ça. On va tout développer, frère. En tant que tête, ça veut dire quoi? Dans la tête, il y a quoi? Il y a les yeux, le cerveau. Tout ça, là, on va développer. Tout ça, on a, jusqu'à ce qu'il revienne, là, il y a tellement de choses à dire sur Jésus, frère. On n'a plus d'autres messages. Hein? Nous allons matraquer les frères et sœurs sur la personne de Yeshua. On va balancer la personne de Yeshua. On va parler tout. Juste, frère, plus on va élever son nom, plus on va enseigner sur lui, je vous assure. Vous allez voir, plus les gens vont être guéris des maladies incurables. On n'aura même pas besoin de vous imposer les mains. Les démons eux-mêmes vont vous quitter, vont quitter vos enfants, vos maisons, vos affaires. Là, ça va partir. C'est tout. Vous allez simplement appeler pour dire, frère, nous sommes guéris. Et toute la gloire sera rendue à Yeshua. Vous n'avez même pas besoin de dire, frère, je serai merci. Nous ne pouvons pas recevoir vos merci parce que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Yeshua. Tout doit tourner autour de sa personne. On n'a aucune gloire à tirer. Nous sommes rien. Luc chapitre 17, verset 10 dit, vous, quand vous aurez fait ce qu'on vous aura dit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça, c'est le message de Yeshua. Ah oui, frère. On va vous parler de cet enseignement. De son enseignement sur la montagne des Oliviers dans Matthieu 5, 6, 7, 8, au chapitre 8, là-bas, là, il descend de la montagne. On va vous parler de sa doctrine, de son message. Oh oui, frère, fini la rigolade. On va vous parler de comment il a bâti son église en tant qu'architecte, le bâtisseur. Ce ne sont pas les cathédrales qu'il a bâties, ce ne sont pas ces bâtiments-là, tout ça-là, qu'on appelle l'église, mes amis, qu'on embellisse avec les couleurs, avec les décorations, avec des versets bibliques. Tout ça, là, on va parler de la personne de Yeshua. Ah oui, frère. Et plus vous allez recevoir l'enseignement sur la personne de Yeshua, plus vous allez avoir l'illumination et moins Satan jouera avec vous. Et là, vous allez partir après. On va partir après à l'enlèvement. Ah oui, c'est ça le message, frère. Alléluia. L'apôtre Paul, regardez. On va finir là. Galates, pasteur Gilbert.
chapitre 1er, verset 13 à 16. Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Galates 1er, 2. Galates 1, verset 13 à 16. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne me consultais ni la chair ni le sang. Ça, c'est fort ce que Paul dit ici. Passage Gilbert. J'aime beaucoup, mes amis, ce passage-là. Ça, c'est un passage qui m'excite à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu. Paul dit qu'il était religieux, en gros. Il était zélé. Il avait un zèle excessif, non pour Dieu, mais pour les traditions de ses pères. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont zélés pour aller à leur assemblée chaque dimanche. Ils s'habillent en costume et cravate. Ils vont chanter leur chorale. Ils sont zélés. Mais parce que beaucoup parmi eux sont religieux. Ils veulent plaire aux hommes. Voilà pourquoi ils veulent être à l'heure. Mais ils n'ont pas de zèle pour Dieu dans la vie de tous les jours, chez eux, à l'école, au travail. Ils ne sont pas passionnés de Jésus. Vous voyez, frère, c'était le cas de Paul. Paul était zélé. Paul croyait bien faire. Comme beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance, ils pensent bien faire. Ils vont tout faire pour être à l'heure à l'assemblée. Ils vont tout faire pour chanter bien correctement, pour plaire à leur pasteur. Ils vont tout faire pour payer leurs dîmes, leurs offrandes. Pour ceux qui payent encore la dîme, ceux qui n'ont pas encore compris la dîme, c'est la loi. Il y en a qui sont sincères dans ce qu'ils font. Dieu les éclairera en son temps. Mais, néanmoins, ils sont quand même religieux. Paul dit maintenant, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. J'aime Dieu. Ça veut dire que même si vous êtes religieux, même si les hommes vous trompent aujourd'hui, mais si vous êtes un élu au temps de Dieu, vous aurez la révélation de Jésus-Christ. Vous inquiétez pas. Oh my God. Alléluia. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Pasteur Gilbert. C'est là que l'élection, c'est là que Dieu nous appelle, hein, depuis l'éternité passée et dans le ventre de notre maman, là, c'est là que Dieu commence à nous former. Et c'est ce qui est écrit ici. Dieu commence à nous façonner, là, frère. La formation ne commence pas dans les écoles théologiques. C'est dès la conception, Dieu commence à te façonner. Alléluia. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi. Là, ici, c'est fort, hein. Révéler ici, frère, c'est apocalypto. Apocalypto, c'est le verbe. Apocalypsis, c'est la révélation ou apocalypse. Apocalypto, ça veut dire action d'ôter le voile. Ce terme-là, ce verbe-là, a été utilisé souvent chez les Grecs au 1er siècle pour parler particulièrement des artistes. Notamment les sculpteurs, les orfèvres, ils faisaient des statues, n'est-ce pas? Ils les recouvraient d'un tissu. Et le jour de l'inauguration de ce chef-d'œuvre, le public était là et tout le monde attendait que le voile soit ôté, n'est-ce pas, pour découvrir en fait le chef-d'œuvre. Et Paul va utiliser cette image-là pour nous parler de la manière dont
Dieu, le Père, notre Seigneur, a enlevé le voile qui couvrait Christ, qui empêchait Paul de le découvrir, Paul le religieux. Et quand le voile a été ôté, une fois que le voile fut ôté, Paul a eu la révélation, l'éclairage. Il a vu qui est Yeshua. Pourquoi, à votre avis, Dieu avait-il accordé une telle révélation, cette révélation à Paul? Paul le dit, c'était pour qu'il annonce la personne de Christ. Ça veut dire que vous ne pouvez pas annoncer quelqu'un, parler de quelqu'un dont vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, l'expérience. Vous ne pouvez pas parler de Jésus-Christ de Nazareth si vous n'avez pas expérimenté quelque chose de particulier avec lui, dans le coulisses, dans les coulisses, dans les lieux secrets. Comment voulez-vous parler de Chora si vous ne connaissez pas Chora? Voyez? Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de pasteurs. Ils vont faire l'apologie de Yeshua sans l'avoir expérimenté. En fait, ce ne sont pas des témoins, des personnes qui ont vu, qui ont entendu, mais ce sont des théoriciens. Ils vont développer des théories, telles que les théories, par exemple, on va parler des disciples de Épicure, par exemple, ce grand philosophe grec, ou encore de Zénon, ou encore d'Aristote, de Socrate, n'est-ce pas, de Platon. Il y a des gens qui sont jusqu'à ce jour disciples de ces philosophes, mais qui ne les ont jamais croisés, parce qu'ils sont morts depuis, ces philosophes. Donc vous pouvez parler de leur sagesse sans les avoir, sans avoir vécu une expérience personnelle avec ces philosophes. Mais par contre, Yeshua n'est pas pareil. Il était mort et ressuscité. Donc il est vivant, il vit, il règne, il parle, il sauve. Donc ceux qui veulent l'annoncer au monde doivent au préalable avoir une intimité, une expérience dans les coulisses avec lui pour pouvoir l'annoncer avec les signes qui accompagnent la parole basée sur la personne de Christ. Frère, je n'annonce pas un Jésus qui m'a été présenté par un pasteur. Je tiens à vous le dire. Non. Je ne vous annonce pas un Jésus qu'un prêtre m'a prêché, qu'un pasteur m'a prêché. Non. Je vous annonce un Jésus, le Jésus que j'ai vu de mes yeux, comme je peux vous voir, les frères et sœurs ici, qui se révélait à moi personnellement dans ma chambre, à plusieurs reprises, et qui continue à le faire. Il y a encore moins d'un mois, il m'a visité et je marchais avec lui quelque part et il me parlait, il me donnait des conseils. C'est pour cela, malgré les combats, je tiens debout, non parce que je suis fort, parce qu'il me tient debout. Il me maintient debout. Vous voyez, frère? Donc, je ne vous annonce pas quelqu'un qui m'a été présenté par un homme ou par une femme. Non, pas du tout. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai entendu. Une fois, j'étais sur mon canapé, il m'appelle, Kwetu, Kwetu, annonce ma parole. Oh, hallelujah, j'étais secoué comme ça, là. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Je le vois et je l'entends par sa grâce dans l'esprit. Donc c'est pour cela, frère, quand on reçoit une telle révélation de sa personne, de la personne de Yeshua, on peut être critiqué, on peut te dire toutes sortes de mal. Honnêtement, tu t'en fiches. Au contraire, ces hommes et ces femmes font ta publicité. Bah oui, et tu avances. Et c'est pour cela, frère, quand je suis face à la maladie, j'ai cette confiance, cette assurance que Dieu peut tout. Parce que je l'ai vu. Vous savez, pour finir, lisons 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nos yeux ont vu, hein, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yeshua le Messie. Waouh!
Et ça, c'est terrible. Hein? J'aime beaucoup ce passage aussi. Jean dit, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons touché. Vous voyez, frère, voir, entendre, toucher, c'est ça, être témoin de Yeshua. Waouh! C'est acte 1-8. Vous recevrez une puissance, celle de l'esprit, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire martyrs, vous, des gens qui ont vu et qui peuvent être égorgés parce qu'ils ont vu. Alors, allez dire maintenant aux gens qui ont vu de ne pas de dire qu'ils n'ont pas vu. Alors, allez dire aux gens qui ont entendu de dire qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont jamais entendu. C'est pourquoi les apôtres ont dit dans acte 5, nous ne pouvons ne pas dire hein, donc autre chose que ce que nous avons vu. Voilà. C'est terrible. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Yeshua, le Dieu véritable.